Et salut à tous, c'est Chatterley, on se retrouve pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Mon plan était d'aller débloquer un nouveau boss, il me semble, dans les ruines. Et on devait faire cette super longue mission. Pour cette super longue mission, on veut emmener... on a aussi les boss dans la crique à aller débloquer, cela dit. Ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée, parce que... Alors, en fait, j'ai trouvé un moyen plus ou moins déterminé... assez sagement quels sont les boss qui sont restants. Si on regarde ici, on remarque qu'il nous reste le deuxième niveau de la cargaison marine, qui est donc dans la crique. La chair, je sais plus où elle est. Est-ce que ça nous le dirait par hasard? Non. Prophète vagabond niveau 2, et on a Fidèle contre la marée. Je sais que le nécromancien est définitivement... qui c'était ça? Ah, c'est le canon, alors... Donc ouais, il doit nous rester un... Je pense qu'il nous reste un boss dans les ruines, donc on va aller débloquer ce boss-là. Pour cela, enfin pour faire cela plutôt, on va probablement prendre avec nous... le Bounty Hunter. Grave Robber. Enfin, une Grave Robber, une Pillard. Tu ne veux pas travailler avec ça, hein. Tu ne travailles pas avec ça, voilà. C'est réglé. Au moins. Mais qui on peut emmener d'autre, du coup? Georges Bataille? C'est un peu notre seul choix, en l'occurrence, donc... c'est vite réglé. Ok, alors, avant toute chose... parmi ces personnages-là sont des personnages que je peux augmenter et que je vais m'empresser de faire. Georges Bataille, en l'occurrence, il serait intéressant de lui permettre d'avoir ça, 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 et de lui augmenter son armure. Parce que lui, c'est un personnage qui est déjà niveau 2, donc on va dire qu'il vaut les sous qu'on dépense pour lui. De la même façon, notre chasseur de primes, ici, je pense qu'il est possible de lui augmenter, au moins collecter la prime, actuellement. Ainsi que son armure. Il nous sera probablement utile. On pourrait aussi le renommer, ce serait pas une mauvaise idée. On va probablement l'appeler Marquis de Sade si ça rentre. Voilà, parfait. Pour un chasseur de primes, je trouve que c'est à peu près approprié. Elle, on ne doit pas s'embêter à la renommer pour l'instant parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut. De la même façon pour notre autre personne. Alors on a un soin et on n'a pas de soin de groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller à la guilde avec et je vais lui acheter ça. Et c'est tout, parce que le reste, ça devrait être correct. On va lui donner ça. Elle a les dagues, elle a une plongée et elle a le blight. Alors j'aimerais juste lui donner, si possible, une capacité au corps à corps. À la place de ça. Ok, et on devrait pouvoir se lancer avec ça, je pense qu'on est à peu près ok. J'espère que ça va nous débloquer entièrement le boss, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Aussi, une chose que je me suis dit dernièrement là, c'est que en fait tous ces machins là, qui sont là, ils nous servent à rien. Concrètement, on les utilise jamais. Donc on va les virer. Résistance au déplacement, on s'en fiche. Résistance à l'étourdissement, on s'en fiche. Résistance à l'infection, on s'en tape. Capacité saignement, pareil. Voilà, ça nous fait un peu de sous au moins. Le reste, je sais pas encore. Mais on les utilise très rarement, voire jamais. Donc pourquoi les garder à un moment? On va partir sur des dégâts pour lui. Auxquels on va ajouter de la nourriture. Ici, il nous faut pas le truc en position 1. Moins 3 de vitesse, ça devrait pas être un drame absolu pour toi. Surtout si on peut te donner ça. Elle. Elle est fort intéressée par ça. Attends, c'est assez excessivement cool ça. Et probablement la nourriture. Et notre Vestale, elle va avoir les deux trucs de heal. Et écoutez, bah on va se lancer dans cette quête, c'est explorer 90% des pièces. Ça devrait les faire monter de niveau, en l'occurrence. Et on va juste les placer un peu différemment. Hop, voilà. Alors, pour cette mission,
On va prendre ça de nourriture, je pense que c'est excessif, mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je pense. On va prendre un peu de ça aussi parce qu'on pourrait ramasser des trésors sur le chemin, ce serait peut-être pas un mal. Et on va se lancer. J'ai pris des torches? Je crois que j'ai pas pris de torches. Ah mon dieu, si j'ai pas pris de torches, ça va pas le faire. Je crois que j'ai zappé les torches. Oups. Presque sûr d'avoir zappé les torches. J'ai zappé les torches. Ok. Bon. On va se la faire sans torche. On va se la faire sans torche. J'ai zappé les torches, on est d'accord. Ouais, j'ai complètement zappé les torches. Oh, je suis stupide. Ok, donc il va falloir être se battre dans le noir. Ça va être intéressant. Je pourrais back aussi et mais c'est vachement plus rigolo de se battre sans torche, je trouve. Puis on n'a jamais essayé. Normalement, ça donne beaucoup plus de trésors. Un étourdissement sur lui. Oh merde, j'ai oublié les torches. Ça c'est vraiment stupide. On va donner un petit coup sur lui, je pense qu'il va mourir. Oh bordel. Je m'en veux un petit peu là. J'ai voulu rusher comme un malade et j'ai oublié les torches. Aïe aïe aïe. C'est pas malin ça. Tu peux faire plonger. Tu peux faire le coup de pioche dans la tête là. Ça fait 4 à 9, donc il y a quand même assez peu de chances que ça le tue. La plongée, elle fait 6 à 13. Ça te fait avancer de 2 cases, par contre. Vas-y. Juste parce que ça fait très mal. Et on va terminer lui. Ok, il va falloir être efficace, les mecs. Parce que là, je vous avoue que... Ou alors trouver des torches sur le chemin, mais... qu'on va pas aller très loin, en réalité, sinon. Alors on a deux feux de camp qui nous rallument nos torches, hein, donc il y a toujours ça à prendre en compte. Oh mon dieu, je suis stupide. Ah oui, j'ai essayé d'appuyer sur le truc de torche, mais ça ne fonctionne pas bizarrement. Ok, donc ça va être en donjon dans le noir, on va sûrement beaucoup stresser. Et prendre beaucoup de crits dans la face. Et... Mais c'est bien, ça va être l'expérience. Il y a un moment où... Ouais, on va nous-mêmes rôder dans le noir comme des monstres. Effectivement, c'est le plan. Oh putain. Aïe aïe aïe. Ah, j'espère qu'ils vont pas taper comme des camions du coup. Bon, ça va, on les surprend bizarrement, donc on est assez mobile hein, comme groupe, donc ça devrait être faisable en théorie du moins. On est actuellement à plus de crit sur nos joueurs, donc c'est toujours un bonus bon à prendre. On a un stun ici, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ouais. On va stun l'arbalétrier derrière. Il a résisté avec ses 10%. Et ben. Je suis assez impressionné. Ok, on va prendre deux carreaux dans la face. Ouais, ma peur c'est en l'occurrence que vraiment on puisse pas tenir sur le long terme, mais bon. On a beaucoup de soins, le problème ça va être vraiment le... Ils vont sûrement tous péter un câble en fait, je sais pas si ça va valoir le coup à terme. Enfin, au long terme. C'est bien, déjà on combat dans la nuit là. Premier combat dans la nuit. Pouah. Ils vont faire combien de stress par truc? 21. Ok, donc concrètement là, le plan de façon générale, c'est vraiment de tuer ces bestioles. De façon avantageuse, ça fait 3 de blight pendant 3 tours. Ça le tuerait, mais peut-être pas assez rapidement. On va plutôt faire ça. Oh mon dieu, ça va pas faire rien. Il faudrait la tirer théoriquement. Ou alors tuer lui. Je pense qu'on va la tirer. Viens ici. L'ami.
surtout qu'on va manger beaucoup plus de crit et de dégâts. Hein. De façon générale. Je pense que ça va être très rigolo. On va sûrement devoir abandonner Ovi. Putain, le nombre de dégâts qu'on prend. Lui, il est mort. Donc ça, c'est bien. C'est le stresseur. Les soins devraient pas être en souci parce que... Voilà, on soigne à 8. C'est tout à fait correct. J'ai surtout peur du stress, en l'occurrence. Parce qu'en l'occurrence, là, on a juste deux torches, en gros, qui correspondent à nos deux feux de bois. Ce qui fait pas beaucoup, beaucoup. Mais on devrait avoir beaucoup plus de récompenses. Bon, ça va être un moyen de tester le système de récompenses du jeu. Ce qu'on n'a pas eu fait jusqu'à maintenant. Je pense que tir à bout portant, là. Malheureusement, ça a manqué de 2 points de vie. Mais j'ai peur qu'on se fasse rouler dessus par des crits, en vrai. Enfin, la trait le savoir. En soin, je pense que c'est plus malin ici. On aurait peut-être dû faire en soin de groupe, d'ailleurs. Ça aurait été peut-être plus malin encore. On va tuer le gros, parce que le gros est chiant. Et un petit coup de pioche. Ok, il y a vraiment plus de loot, par contre. C'est relativement hallucinant. Et déjà, on ne peut plus ramener grand-chose. On va se séparer de la jade. Et on va prendre soin de faire ça. Ok. En train de boire mon café en même temps parce que je pense que j'ai besoin de me réveiller vu l'erreur que je viens de faire. Donc je pense que c'est logique. On est pas encore dans l'obscurité absolue, hein, cela dit, il mange déjà du stress à mort, hein. Quand on sera dans l'obscurité absolue, je pense que ça va être très problématique, mais encore une fois, on peut utiliser nos feux de camp, c'est pas un drame. Du moins, je ne crois pas que ce soit un drame. On va probablement utiliser notre premier feu de camp dans ce coin là. Ah, la table d'alchimie, si on avait une torche, ça ferait... je crois que si c'est comme dans la bêta, ça allume la torche au maximum. Ok, plus, héros surprise, c'est... Waouh. Il fait combien de stress, là, actuellement? 13, ça va. Et plus 10 de stress jusqu'au camp. Ok, il faut vraiment se séparer de ces deux garnements, là. Parce que lui, il va me mettre quoi, 25? Au moins. 27! Oh putain! Oui, cette expédition risque d'être... Enfin, peut-être pas un échec, mais... Une galère, en tout cas. Ça, c'est garanti. Ok, toi, t'es mort. Non, il faut pas rater, par contre. Je suis vraiment désolé, mais alors là, ça va pas être possible. Ok, je propose que... Toi... 9-16, vas-y. Soin de groupe, ou alors en stun. Stun. Putain. Ok, va falloir lancer. Si je lance ça sur lui et que j'arrive à lui faire de l'infection, il est mort. C'est 3 points d'infection. Donc il est mort. Parfait. Ensuite, ça c'est la meilleure des idées. Lui il est mort. On va espérer que ce soit pas l'arbalétrier. Ouais, voilà. Donc on va l'attirer parce qu'on peut pas le toucher actuellement. Et il a résisté. On va faire un soin de groupe qui est énormissime. Ouais, c'est vraiment pas un problème la vie, mais ça va être un problème le reste en fait. Et un coup de pioche dans la face. Non, ça c'est mieux. 6-13, il y a moyen de le tuer. Elle est efficace cette compétence, putain. Je l'avais jamais utilisée jusque là, mais je trouve ça... assez exceptionnel. Oui, on gagne vraiment beaucoup plus de choses. Le problème, c'est que... Pour changer, on a juste pas la place de les mettre, quoi. Ok, il va falloir faire un campement de toute façon très bientôt. Peut-être dans la prochaine salle. Ouais, je sais, ça vous plaît pas. J'entends. Ok, on a un combat ici. Alors, avec un peu de chance, on va avoir le temps de placer des attaques sans se faire décalquer par le stress. Accusation.
peux accuser lui, c'est pas un problème. Ça lui met un malus jusqu'au camp. On va probablement camper dans cette salle. Parce que là, il met 27 avec un mec qui a pas de malus. Alors avec 10% en plus, je vous dis pas ce que ça va faire. Ok, le stun. Stun très important ici. T'as raté tous tes stuns depuis le début, c'est assez hallucinant. On peut donner... Ah, j'ai oublié de... De faire ça, c'est pas un drame, on devrait le tuer. Parfait. Vraiment, les dégâts, je m'en tamponne parce que il devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Par contre, le stress, c'est pas possible. C'est vraiment un problème de stress parce que le reste, ça va. La healeuse avec ce gars-là comme bonus, elle tient tranquillement, mais. Alors, tu me fais hésiter. Est-ce que toi, tu peux utiliser une... Ouais, tu peux collecter la prime en troisième position. Donc, vas-y. On a un excellent groupe pour ce genre de choses. Je propose que tu fasses une avancée du dueliste sur lui. Ça devrait le tuer. C'est un très très bon groupe, ça. Et on pourrait se payer un petit stun sur le premier, là. 75% de chance de stun. Ok, parfait. Ce qui va nous permettre de faire deux rounds ou un round. Au moins de heal. Et un gros coup de pioche dans ta face, surtout. Et aussi ça. Qui généralement s'avère assez efficace. Ok, donc c'est juste hallucinant le nombre de choses qu'on récupère. Je vais même pas prendre ça. En l'occurrence. On va camper. Et on va camper dans cette position. Si on se fait surprendre, de toute façon, on va être surpris. Alors, on n'a aucun intérêt à avoir nos gens dans la bonne position. Ok, on va bouffer 4 de nourriture. Parce qu'il faut virer le stress un petit peu. Et on peut empêcher les attaques de bandits. En plus, ça fait moins de probabilité d'être surpris. Donc ça peut être pas mal. Et je pense qu'on peut partir sur, de façon générale, du heal de stress. Parce que... On va en avoir surtout besoin sur la Vestale, probablement. Probablement... est-ce qu'on a des maladies dans le coin? Je ne crois pas. On pourrait réduire son stress. 75% de chance de réduire le stress. Vas-y, fais ça. On a eu de la chance. Très bien. Donc on est plus stressé. On a toujours pas de torche. Moi, je me le sens bien, en fait. On a fait un tiers. Parce qu'on a fait un tiers, je suis pas sûr, en réalité, mais... On a fait quelques pièces. Plus précisément. Mais on a une torche. Et on en a trouvé une, aussi. Ce qui est quand même quelque chose. On va la prendre. Et l'utiliser. Ça va nous tenir une pièce de plus. Ok, ça devrait aller. Je crois que ça consomme un tout petit peu de temps, cela dit. Non. Ah bah là, de toute façon, on est genre... Oh, je suis pas dans la bonne position du tout. Ouais, je me suis dit que ça allait arriver, ce genre de choses. Malheureusement, on n'est pas dans la bonne position. C'est pas dramatique. Je pense. Enfin, je pense que c'est pas entièrement dramatique. On va tuer lui, je les aime pas, eux. On devrait pouvoir en tuer 3 si on arrive à jouer avant eux. Non. Ça, c'est un stun en plus, non? Ouais. Fort heureusement, il y a résisté. On a malheureusement une morsure qui vient juste après. Avec une infection, un dégât par tour, ça devrait être gérable. Et lui, il devrait pouvoir faire une petite avancée du dueliste sur lui, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de torche quand à la fois. Je vais pas toucher cette armure, par contre. Non, je m'en fous complètement de votre fric. Ok, on va juste replacer les gens à peu près correctement, parce que là, c'est pas le cas. Et il faut que je pense aussi à qu'est-ce qu'on va faire exactement là-bas. Aïe. Alors, une seconde pelle.
Parce qu'une fois qu'on est arrivé ici, c'est bien. Bon, déjà, on va au combat, donc ça va régler le problème. Ah, on a été surpris, ça y est. On avait moins de probabilité pourtant, mais bon. Alors, si toi, on te fait avancer de 2 cases, tu peux potentiellement défoncer lui si tu fais un crit. Malheureusement, non, mais bon, c'était pas attendu non plus. La musique est vachement plus épique hein, quand il n'y a pas de lumière. Aïe, et ça, ça s'appelle un crit, par contre. Question, toi tu peux utiliser quelque chose en 4ème position où t'as beaucoup de mal à faire des choses? Ouais, tu peux faire avancer du dueliste, parfait. Donc on va faire en son de groupe. On pourrait faire une illumination aussi parce que ça fait torche plus 5. Et en l'occurrence on serait peut-être pas contre avoir un peu de torche. On va attirer lui. Et on va suivre directement sur une avancée du dueliste. Alors j'hésite. Je pense qu'on va aller sur lui probablement. Parce que lui il va pas faire beaucoup de dégâts à son tour de jeu. Du saignement. Et on est tous bien placés maintenant. On peut faire les doubles dagues. Probablement la meilleure idée dans cette situation. Et on peut taper dans le gras de lui. Pour 28, il a 29 points de vie, j'ai un peu les boules par contre. Bah idéalement là, je veux dire... Tu fais une avancée du dueliste sur lui même s'il a un point de vie quoi. Ouais, je pense qu'on peut partir, on peut pas faire d'illumination dans cette position donc. Les heals de groupe qui sont excessivement efficaces. Et au revoir. Oui, il y a beaucoup trop de récompenses par contre, ça c'est un peu quelque chose. Il y a tellement de récompenses que je me demande même si c'est nécessaire que je garde les bandages et les armes médicinales et compagnie là, parce qu'en l'occurrence on s'en fout un peu et en plus on a ici en coffre probablement encore plus de trucs à récupérer. Ok, alors comment on se fait ça? Je pense qu'on peut rater deux salles là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 et on doit faire 90%. Donc, on peut rater une ou deux salles. Alors, on peut, cela dit, on peut faire tac, tac, tac. Non, c'est pas malin. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Ça, ce serait le plus malin. Donc, on va partir vers le nord. Si on fait en zigzag, on est pas mal. Je pense. On n'est pas bien placé, encore une fois. On devrait pouvoir augmenter notre taille d'inventaire quand il n'y a pas de torche aussi. Ok, Stress Boy. Je suis pas intéressé par toi, Stress Boy. J'aimerais bien que tu disparaisses instantanément. Hop, hein. Ça devrait très bien se passer ce combat. Surtout s'ils n'ont pas l'occasion d'attaquer avant nous. Un petit stun. Décidément, elle est incapable de placer un seul stun, hein, la pauvre. Ici, on a 7-13. Mais il est mort, quoi. Ouais, je sais, là, ça commence à devenir assez complexe. On a besoin d'argent, donc très bien. Je pense qu'on va y arriver, c'est ça le pire. Il faut pas qu'on tombe sur genre le collecteur ou un truc comme ça, parce que ça va pas nous faire rire, mais... J'espère que le jeu va pas être si méchant que ça. À niveau bouffe, on est très large. Les bouquins, c'est pas bien. Et nous, on voit rien. Ouais, je sais, ça vous plaît pas. Black as death. Ouais, je doute qu'on fasse beaucoup de scouts ici. Ne pas trouver une petite torche là-dedans. Ah, une torche. On peut pas juste l'utiliser bêtement? Ok, d'accord. Ah non, elle le garde. Sale connard. On a besoin d'une torche. Ah, je m'en veux d'avoir oublié cette torche, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est... Niveau récompense, de façon générale, c'est hyper valable. C'est dingue la différence que ça fait. Bon, après, on est archi plein. Ça, on touche pas. De toute façon, on a pas de torche pour l'allumer, donc... On aurait beaucoup de mal à le faire. Ok, des petites araignées. On va peut-être être surpris. Non.
Elles ont 7 points de vie. Ça va probablement tuer une. On va essayer de stun la seconde. Des fois que le stun fonctionne. Non! Elle a une pénalité au stun ou... C'est quand même être en étourdissement. C'est censé être en étourdissement de 100% quoi. Toujours plus d'or. Non, mais moi je veux des sous, moi, mec. Pas de soucis. Je pense qu'on a plus de chance avec ça. Les sous, ça m'intéresse. Ok, on a combien de pelles là? Parce que. J'ai l'impression qu'on bouffe nos pelles à la vitesse de l'IE. Ça va. Ok. Encore fin? Toujours fin les mecs. Ils sont full life, hein, cela dit donc. Alors ça pas touché probablement, quoique. Tu sais quoi, on va juste utiliser un bandage dessus. Ça ne fait rien. Donc pas touché. Alors, un petit combat, on sait qu'ils sont là, on devrait pas être surpris. Pour une raison ou une autre, on est arrivé à scout. Joli crit. Si ça avait été inversé, on aurait tué le premier, mais bon, pas grave. D'ailleurs, je dis de la merde, on l'aurait pas tué. Ok, donc toi, tu vas pouvoir te soigner toi-même. Et ici, on va pouvoir mettre une bonne petite patate à lui. Toi, tu vas pouvoir mettre une bonne petite patate à lui aussi. Oh, 10. Ok, double dague. Ouais, ça aurait pu être un double kill. Ok, avancée du dueliste sur lui. Ici, on va terminer. Alors, je suis en train de réfléchir qui c'est qui reste là sur ce tour. Ouais, on va terminer lui parce qu'il n'y a pas de raison de le laisser vivre. On va essayer un petit stun. Non, on peut pas faire de stun. Group heal. Et... Ouais, tu peux faire ça, c'est la seule chose que tu puisses faire en réalité. Il est peu probable qu'il meure. Ouais, il aurait fallu faire un crit en fait pour qu'il meure, mais bon. Ok, du soin. Écoute. Et je pense que là par contre il va mourir. Voilà, au revoir. Non, mais j'en peux plus moi des récompenses là par contre. On va prendre les boucliers. Et on va ouvrir ça, mais ça sert à rien. Je peux plus porter à rien. Voilà, on a deux contrats là, qu'est-ce qu'on en fout? On en fout qu'on remplace notre nourriture. Voilà. Allez hop hop hop, il nous reste pas beaucoup de pièces en réalité. On est presque bon. On va probablement camper dans la prochaine d'ailleurs. Ça on touche pas, ça sert à rien. Histoire d'avoir un peu de feu de camp ici. Hop, deuxième campement. Toujours plus de bouffe. Non, franchement on s'en sort vachement bien. Hop, on va faire ça. Et on va virer le stress qui reste sur elle. On peut pas lui virer vraiment plus que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des buffs. Par exemple du repérage. Et 10 de précision et 10 d'esquive sur elle par exemple. Mettons. Et on va dormir. Ah, j'avoue, vous avez vraiment un mental d'acier, vous avez zéro stress, vous avez passé votre vie dans le noir, quoi.
Ok. Alors. Où qu'on va? On va aller au nord? Pour commencer? On peut encore emmener 2-3 trésors, hein, donc y a pas de soucis. Donnez-nous les trésors si vous en avez. En combat. Double dague. Jolie esquive. On lui a donné un bonus d'esquive en plus. Bah tue lui, ça fera des dégâts en moins. Il a pas encore joué. Et toi, essaie de tuer lui. Non, malheureusement, il est excessivement résistant lui. Écoute, un petit stun. Ça fera de mal à personne. Oh, je crois que c'est le premier stun qu'elle place. C'est un miracle. Un coup de pioche sur lui. Le gobelet, ça devrait pas être un problème. Et un gros coup de hache sur toi. Peut-être dû attirer lui plutôt, mais bon. C'est pas grave, on va taper sur un cadavre. Quelle bonne idée. Tu peux faire une avancée du dueliste jusqu'à lui et peut-être même le one-shot. Non, il lui reste un point de vie. C'est malheureux. Plus pour longtemps, probablement. Voilà. C'est quoi ça? Saut du défenseur. Bah, ma grande question, c'est est-ce qu'on a fini notre quête actuellement là? On va très vite le savoir. Ok, on a fini la quête. On peut fouiller ça. Et franchement, on va partir, je pense. Y a pas besoin de pousser le bouchon. Eh ben, oh, ça s'est plutôt bien passé, hein. C'est pas épique, hein, ça, comme truc, mais... Du coup, on a pas mal d'or. Et surtout, on a beaucoup, beaucoup de contrats, quoi. Enfin, de legs. Ouais, on a une armée de legs. Et probablement des niveaux 2, hein, ouais. Plutôt des bons traits de façon générale, très bien. Ah, ça c'est une mission comme je les aime. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit du coup? On a avancé pour ce boss? On a avancé et on a un boss de niveau 3. Donc bah, prochaine vidéo, on va aller tuer ce boss de niveau 3 avec je ne sais qui, mais en attendant, bah, je vais vous dire à la prochaine fois, c'était Theatrelay, à la prochaine.